La Faculté internationale de médecine au sein de l'Université internationale de Rabat vient de terminer son premier semestre et a tenu aujourd'hui le premier grand oral d'épidémiologie clinique. Nous avons été extrêmement agréablement surpris par la qualité de nos étudiants et par le niveau de leur présentation et des plaidoyers qu'ils ont utilisés pour nous convaincre des différents thèmes qu'ils ont traités. Et c'est une très belle fin de premier semestre pour l'ensemble de nos étudiants. Aujourd'hui a eu lieu le premier grand oral d'épidémiologie clinique au niveau de la faculté de médecine de l'UIR. On a eu la chance d'écouter 25 équipes qui représentent les étudiants de première année de médecine autour de 5 thématiques d'épidémiologie clinique. Ils ont eu l'occasion d'expérimenter les techniques de communication scientifique et d'argumentaire en respectant la méthodologie de recherche pour mener à bon ce projet. Et nous sommes ravis et fiers du travail qu'ont fourni nos étudiants et de l'exploit d'acquérir toutes ces techniques en seulement 3 mois. Donc bon vent, bonne continuation et hâte de voir la suite. Bonjour, je suis Kenza Fekri, représentante du groupe 5A, qui a gagné le premier prix du grand oral, le premier grand oral de la Faculté internationale de médecine de Rabat. Je tiens à préciser que ce prix est le résultat de beaucoup d'efforts de ma part et de la part de mon groupe, mais aussi de l'encadrement de nos professeurs que je tiens à remercier très chaleureusement. Et ça a été un honneur de participer à cette compétition, si je peux le dire. Et j'espère qu'on pourra participer à beaucoup d'autres événements comme celui-là. Je suis très heureuse d'avoir participé au premier grand oral d'épidémiologie à l'Université internationale de Rabat. Je tiens à remercier Madame Hamem Mouchi de nous avoir accompagnés tout au long de ces 3 mois pour obtenir un résultat aussi brillant. Et je tiens à remercier aussi mes camarades pour avoir travaillé avec nous et coopéré avec nous.